Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2 sur PC toujours. Nous allons au bureau des examens. Normalement, nous font passer un nouvel examen. Et j'ai pas du tout envie de le passer. Bon bah c'est pas grave, on y va. On passe l'examen. On va faire ensuite quelques missions secondaires pour aller farmer ce week-end, normalement en live. Si tout se passe bien. Catégorie avancée, réussir l'initiation. Bah écoute. Hop. J'ai effectivement l'impression de faire un peu plus de dégâts. Hop. Hop. J'essaie de le guaquer un petit peu. Allez, retourne chez toi. Oh, quel dommage. Oh, maintenant j'ai 5 barres de charge. Complète ? Oui, complète. What ? Tiens, essaye celui-là aussi, il est pas mal. Dommage. Hop, voilà. KO. Au suivant. Hop. Bon, si, je peux le faire. Hein. Hop, je crois que je me suis téléporté derrière lui, mais c'était pas bon, en fait. Hop, allez, je viens te chercher. Oh, t'es sérieux? Le mec, il se tp en plein milieu du combo? J'ai essayé de faire une parade parfaite. J'ai pas réussi. Hop. Mais t'es sérieux? Hé, hey, la projection! Le mec! Le mec, il est censé être projeté, mais il peut se permettre de pouvoir m'attaquer en même temps, quoi. Bon, ça passe pas. On va rester sur les coups de base. Hop. Retourne chez ta mère. Boum. Désolé pour ton estomac. Au suivant, ça va être Ginyu, j'imagine. Je m'engloute un petit peu. Forcément. Hop, dégage. Oh mais non, mais c'est... Hop, dégage. Et voilà. Oui, bah, ferme-la un petit peu. Hop, ferme-la un petit peu. Ah, pas passé. Elle passe. Oh, bah, je suis surpris, dis donc. Je suis le premier surpris. Hop. Dégage. Apparemment, quand je suis immobile, mon endurance remonte beaucoup plus vite, regardez. Quand je garde, elle monte plus. Oh non. Voilà. Hop, et maintenant, le gros morceau. Le petit pointu. Bon, si je peux t'agresser, si je veux, hein. Hein, le nain? T'es sérieux? Mais et le lock, là?
Le mec! Ça fait un petit... D'accord, donc ça se base sur l'endurance restante. Hop, c'est bon à savoir. Ça passera jamais ça, hein, n'est-ce pas? Ah mais ça me saoule! Kamehameha! Passe pas. La chop, elle passe. Faut que je joue safe là, hein. J'ai pas le choix. Vache. Dégage. Hop. Hop. Boum. C'est fini. Wouhou. Ah, la tension sur mes épaules se relâche. Je vais être tout crispé après. Oh, un niveau. Cool. Je dis pas non. Charge puissance max. Je l'avais déjà. C'est dommage. Mais bon, c'est pas plus mal. J'espère en tout cas que Vegeta va accepter de m'entraîner. Ah, c'est chiant. Bah, celui les nouveaux entraîneurs, bah, fuck it, hein. Personnalisé, attribut. Est-ce qu'on a besoin de plus de ki à l'heure actuelle? Non. On va partir là-dessus. Vegeta, as-tu quelque chose à me proposer? Des gens qui sont contents de m'aider pour mes leçons. Tu es là pour t'entraîner, n'est-ce pas? J'ai choisi des tâches qui correspondent à ton niveau. Donc j'espère que tu vas les terminer. Oh, leçon 3. Raditz n'a pas, et lui, mais regardez, c'est lui en version black, donc c'est lui qui va faire mal. Donc c'est la version, en fait, de Super Dragon Ball, je pense. Et la frappe flash, ça a l'air intéressant, ça, dis donc. Combat spécial à technique fixe, affronte Vegeta, n'a pas, et Raditz, et termine par une frappe flash, d'accord. Ça va être compliqué encore. Génère une explosion de ki sur le passage, sur le chemin d'un adversaire en mouvement. Là, je suis curieux d'essayer un truc du coup. Attendez. Ah, c'était tellement stylé sinon. Ça va être compliqué de terminer avec ça, dis donc, ouais. Ah mais Vegeta, tu vas te calmer, mon cher ami. Je t'aime beaucoup, tu sais, hein. Mais reste au sol, ça vaut mieux. Hop, les... Hop, les, on y va. On va se planquer. Oh, quel dommage. Vegeta! Ça tombe bien, tu m'as manqué. Hop. Ah, j'ai essayé la chope, mais elle est pas passée. Là, elle passe. Boum. Boum, ça prendra. Par contre, au corps à corps, c'est dévastateur parce que même si le mec passe derrière. Hop, et lui, c'est fini. Voilà. Gros sac! Le mec, il se venge, il me l'envoie dans la gueule à moi! Pour me rappeler que c'est ça l'objectif de la mission.
Oh. Oh! Je suis vexé! Mon ki qui n'augmente pas forcément. Et la charge qui va être extrêmement longue, vous allez voir. J'ai essayé de... Boum! Ah! Ça a pas suffi! Charge énergie! Oh, c'est dur! Boum, elle est géniale cette chop. Hop, et voilà, on a réussi. Bon, c'est pas trop trop mal. Mais la compétence est naze. Hein. Je vais reconnaître, là faut reconnaître que la compétence est naze. Enfin, non, les compétences entourant celle-ci sont naze. Celle-ci peut être pratique au corps à corps. Bien joué! Tu as éliminé des ennemis qui voulaient vraiment te tuer et avec style. Un énorme niveau de puissance ne sert à rien si tu t'agites dans tous les sens au mauvais moment. Et la technique frappe-flash que tu as utilisée requiert une certaine finesse. Tes adversaires ne seront pas toujours des abrutis. Garde la tête à droite et surveille... Garde la tête droite et surveille ton timing. D'accord. Merci Vegeta, je suppose. T'as pas d'autre nouvelle mission? Non, bah voilà. Donc, je la ferai en rang Z, je pense, en live, là aussi, hein, comme on avait dit qu'on ferait. Ah, c'est cool, du coup, je peux me déplacer au sol en faisant ça. Ce qui est... Ce qui fait un petit peu con, en fait, à vrai dire. Oh, quand je passe dans les arbres, ça fait ça. Mais quand t'es sur une map et que tu, tu vas sur l'eau, ça le fait pas. Boutique des vêtements, on a vu qu'il y avait rien. Du coup, je vais aller farmer les vêtements plutôt dans les quêtes secondaires. Ça va être bien plus intéressant. N'a pas là-bas qui veut m'apprendre des choses. Non, n'a pas. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, on a les rangs 3 aussi qui sont devenus disponibles. Donc là, on a tout fait. Là, survivant Saiyan, mur de défense, barrage implacable, tenue de combat de Thalès, crash du météo. D'accord, il me semble l'avoir fait. Jigu Sangoku, d'accord. Kaioken Kamehameha, ça, falloir qu'on le farm. Chocolstein, non, tenue de baseball, what? Lame tournoyante, ok. Lame tournoyante, je crois que c'est une technique justement de... Merde, je sais plus comment, oh, je sais plus comment il s'appelle du tout, le commando Ginyu. Bon, c'est pas grave, on va faire les survivants Saiyans, puis on verra bien. Il y a un an depuis l'attaque de Raditz, les Saiyans sont arrivés sur Terre et ont amené une invité un invité surprise. Effectivement, ils ont amené Bardock. On sait pas trop ce qu'il fout là, on y va. Hop. Il fait soif, dis donc. Hop. Blablabla. Ah, j'ai pas le droit de prendre Si? Ah, voilà. Eh ben, vous voyez, il a pas ses formes. Oh, hérésie! Hérésie, hérésie, hérésie. Qu'est-ce que j'ai en Vegeta? D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il a comme technique? Canon Garic, charge... Ouais, moyen. Je suis assez déçu pour le coup. Kralimotor, attention, tombe de choc. Pas grand chose, hein. Ah oui! Merde, c'est vrai. C'est ici. Eh ben, je veux bien voir ça. Allez, amusons-nous un petit peu. Hop. Os! Allez, Goku! Ouais. Tu m'étonnes. Et on va prendre avec nous un gentil. Un gentil. Un gentil Nail avec nous, tiens. Hop. Je dois protéger le doyen! Oui, protège le doyen! On va bien voir, hein. Surtout, ça peut être sympa de jouer avec quelqu'un d'autre pour une fois. Pour une fois. Hop. Bah, tous les ennemis! Ok. Bah
merde! Oh la vache, vous devez entendre la pluie sur le Velux, ça doit être terrible, je suis désolé, chers amis. Technique hyper stylée, mais qui prend une demi-heure. Boum, voilà. Oh là là, je suis désolé. Oh, le temps de merde! Oh la vache! Oh, le bon gros temps de merde. Hop. La suite. Je suis désolé pour le temps, chers amis. C'est terrible. C'est une véritable catastrophe. Ah! Bouffe ça. Tiens, essayons ça. Ha! Tiens, c'est marrant, il a une espèce de dash auto... Il a un dash auto? Piste d'atterrissage ou pleine? Pleine. Hop, il a un... Il a un dash automatique, c'est d'un style... J'aime beaucoup. Je suis surpris à vrai dire. Je suis complètement surpris. Ah bah tiens, Vegeta. Je vais te montrer un truc, Vegeta. Je vais te montrer un truc. Ça, c'est à toi comme technique. Ah, j'ai loupé. Je l'ai tellement loupé. Ah! Final Flash! Voilà. Hop. On va charger un petit peu. Alors, il devait se passer un truc. Ça a pas marché. Du coup, on va changer de zone un petit peu. On verra bien. Je pense qu'ils vont... Avoir grandi, on va avoir un Bardock en grand singe. Nouvel ennemi. Oh! Boum! Hop! Il fait pas suivre. Ah, normalement c'est là qu'il fait le dôme. Mais... Il fait pas suivre ses combos, il est nul. Où il est le nain de jardin? Là. Hop, on va essayer le... La frappe brûlante. Non. Non, ça c'était un... C'est pas le bon truc. C'est pas ce que je voulais faire, c'était avec l'autre touche. C'est parce que moi je l'aurais mis sur l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Bah écoutez, victoire. Rang Z. Et rien du tout d'obtenu d'intéressant en fait, finalement, dans cette map. Donc là, les armures, les machins, les bidules, on les a pas obtenus du tout. Je sais pas ce qu'il y avait à obtenir dans cette... C'est triste. C'est un peu triste. Alors, il y avait quoi à obtenir, qu'on rigole? Ah bah rien, deux techniques, ok. Canon Garrick pourfendeur. Pourfendeur. Je sens que celle-là va être un peu plus difficile. J'ai envie de prendre Goku Black, on va bien voir hein, ce que ça vaut, si oui ou non il est OP ou pas. En tout cas, c'était sympa de voir Trunks avec les techniques de son père, franchement. Je suis content de l'avoir vu. Je suis vraiment content de l'avoir vu. Allons-y. Avec ça, on va prendre... Ah bah tiens, je sais exactement ce qu'on va faire. On va prendre un Thalès. Est-ce que j'ai débloqué Bardock ou pas? Non? Dommage, eh ben on va prendre Goku. Hop, voilà, comme ça on a trois personnages identiques. Et mais différents.
sont solides, dis donc, ouais. Aura tranchante, ça correspond à quoi? D'accord. Viens me voir. Ok. Faut dire, il a pas énormément de... Ok. C'est quoi, son coup du météore, c'est le... C'est ça, là? D'accord, ok. Ah ouais, niveau technique, il est pas... Il est pas magique, hein. Oula, caillou. On a quoi comme endroit? Les plaines, on va aller voir les plaines alors. Sait-on jamais, on va peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Napa! Dis, t'aurais pas envie d'essayer ça par exemple, Napa. Y'a un abruti qui est passé dedans. Retourne par terre, Napa. Hop, les Napa, tu es mouru. Il est un poil OP pour la mission, je veux pas dire, mais... Il est juste un poil OP. Ça m'embête un peu. Tiens, j'en sais des mails. Hop. Ok. Mais bon, je sais pas s'il va y avoir un véritable arc sur Super Dragon Ball. Enfin, Dragon Ball Super, pardon. Dans ce jeu, je pense pas, hein, je pense pas honnêtement, je pense pas. Simplement parce qu'ils ont choisi de prendre en compte les actes de Dragon Ball GT, je crois, dans les Xenoverse. Ce qui rend un petit peu... les choses... Oh mais non, mais ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à quoi de faire une attaque où il frappe d'abord s'il est trop long pour frapper? Hop. T'es con parce qu'il est stylé quand il fait ça. Oui, comme ils ont pris en fait, Dragon Ball Super ne prend pas en compte Dragon Ball GT. Et je crois que dans cette version du jeu, ils ont pris en compte justement les Dragon Ball GT. Donc je sais pas s'ils peuvent mettre en plus derrière les Dragon Ball Super. Transforme-toi, écoute, je t'attends. Hein. Allez, you can do it. Je pense qu'il devrait pop par là. De toute façon, il n'y a pas 36 000 moyens de faire. Hein. Oh, sur la nuque, quoi. Hop, par la queue. Ah 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 la queue le le. Ah 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 la queue le le. Aïe. Tiens, bouffe ça, essaye pour voir. Hop, par la queue. Crac. Hop. Par la queue. J'aime lui tripoter la queue, si tu vois ce que je veux dire. C'est débile. La vache, je fais presque plus de dégâts en chargeant mon Kikoa. Hop, on y va, hein. Ça passe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop!
C'est d'une difficulté sans pareil, hein, mais... Ah, j'ai eu mal. C'est bien, t'as réussi à te défendre une fois. Et contre ça, tu te défends ou pas? Non, pas du tout. C'était d'une difficulté sans pareil, hein. Ah, ah. Mais... A, A, B, B, mais... On va bien voir. Qui est-ce qui pourrait se passer dans la crotte, hein? Hello? Oh là. D'accord. Hop. Allez. Mais voilà. C'est débile. Hop. Hop, parfait. Et là, je devrais l'avoir eu. Ah bah non. Hop, Lumi-chan. Aïe, 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 Lumi-chan, Lumi-chan, tu te calmes. Aïe, Lumi-chan, tu te calmes. Lumi-chan. Hop. Hop, Lumi-chan. Il y a tellement de têtes de Goku partout dans tous les coins que je me perds. Lumi-chan! Aïe, Lumi-chan, tu te calmes. Lumi-chan, Lumi... Ah bah là, je vais l'avoir loupé, hein. Mais merde, Lumi-chan, tu vas te calmer, oui? Ah, ça y est, elle s'intéresse à moi. Dégage! Oh! Oh. Mais non. Ah merde. Elle met tellement la misère. Ah mais non. Boum. Voilà. Le petit coup sur la nuque. Glac. Ok. Et on l'a obtenu en rang Z en plus. C'est génial. Alors, badge de Saiyan, badge de Monsieur Satan spécial, badge de Monsieur Satan basique, la dernière mode, éclat d'énergie, éclat de puissance, éclat de rat, antidote, et une médaille. Parfait. Parfait, parfait. Bon. On s'en sort pas trop mal. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Par contre, la dernière mode, je crois que ça va pas être terrible, hein, parce que je crois qu'il est à vendre au... On va rigoler, hein, mais... Non! 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 Non, non, non! Super âme! Exact, oui, j'ai toujours le même. D'accord, QQ Bang. Pourquoi pas? On verra bien si c'est plus efficace. Hop, on repart! Crac! Front simien! Du combat de Thalès, bah Vegeta Gori Géant, Doria et Zarbon. D'accord. Allons-y, on peut aller voir. Ça va me faire plein de missions à farmer pour les objets. Ah là là. Je me demande encore comment le combat contre Freezer a pu être aussi difficile d'un seul coup. Comment l'IA a pu me surpasser à ce point? Enfin, on va prendre qui? Non. Apparemment, j'ai pas débloqué l'autre forme de commande de couleur. L'autre forme de couleur. Oui, il faut le temps que ça... Question. Il a pas l'absorption de... Bon, bah écoutez, on va s'amuser un petit peu avec ce Sangoku. Hop. Ensuite, on va prendre avec nous
un Vegeta. Et ensuite, on va prendre avec nous... J'ai pas envie de reprendre Trunks, mais... Mais je vais reprendre Trunks, parce que c'est un Saiyan adulte. Voilà. Voilà, voilà. Avec les compétences de commande Gohan, pour le coup. Hop. Bah, Vegeta Gory Géant, enfin bon, Vegeta Gory Géant, voilà, on l'a déjà battu, on sait ce que c'est. Hein. Ah, ça fait plaisir de retrouver Goku. Allez, héron, héron, petit... Pas tapant, pas petit. Faut qu'on en finisse avec les Saiyaman. Ça sert à rien d'aller les rechoper. Wow. Retourne par terre. Ah! Bon, ça, normalement, je... Et j'ai le... Ah, j'ai pas la... J'ai pas le coup de poing que j'adore, moi. Hop. Désolé, Vegeta, je vois que t'es passé en plein milieu. Oula, il s'en passe, t'es chaud. Doria, j'ai entendu qu'il y avait du grabuge, mais de là à voir quelqu'un faire le singe... Oh... Oh, ça parle mal, Doria. Comment oses-tu? Hop. Ah, ils sont plus que deux? Cool. J'ai un super Kamehameha. On a Zarbon qui arrive avec. Oh, ça fait mal! Tant mieux! Aïe! Ça aussi, ça m'a fait mal. Ah, c'était une chope, non? Non, même pas. Tiens, qu'est-ce qu'il a en... Blam! Ouh! Ouh, j'aime beaucoup! Ah, raté. C'est ça, à mon avis, le Kikoa puissant. Oh la vache, c'est efficace. Hein. Alors, on va s'occuper de Zarbon. Hop, héron, héron, petit patapon. Hop, éliminer les cibles simples. Boum. Hop. Donne-moi ta queue. Boum. Mon nom est Sangoku. Hop. J'attends. Ah, dommage. Hop. Et boum. Celui-là, il a senti passer, à mon avis. Hein. Blast! Fuite! Raté. J'ai pas réussi à fuir. Hop. Raté, il y avait un caillou! Il y avait un... Ah, j'ai l'impression qu'il est légèrement... Kamehameha! Légèrement avec un problème de temps en fait, décalé, désynchronisé dans le temps le son. Ah! Ah, tu t'es dit, tiens, il y a beaucoup d'énergie dans le coin, je vais réagir. À mon tour. J'aimerais bien que tu synchronises avec la queue. Voilà, et normalement j'aurais fini avec ce mouvement. Boum! Voilà! Alors ensuite. Enfin! Ah! Ah! Oh! Oh, ça va encore être des soldats, enfin des patrouilleurs à défier. C'est un peu naze ça. Ah bah du coup, je vais me charger, hein, tant pis. Boum!
Et donc effectivement, j'ai pas l'impression qu'il lui ait mis la couleur de cheveux entre guillemets originale. Alors, attendez, j'ai vu Yamcha ici. Mais je crois que c'est un Yamcha. Ouais. Non, c'est le bon Yamcha. Allez, donne-moi un petit peu de santé, merci. Hop. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Hop. Ah non, c'est Thalès, tiens donc. La chope. Bien joué. What? C'est si bizarre qu'il fasse ça quand il est en Super Saiyan. Hop. Et boum. Celui-là, il a senti passer. Hein. Je m'en doutais, je sais pas pourquoi j'ai pensé. Tiens, je suis sûr qu'il va s'enfuir à un moment ou à un autre. What? Bon bah apparemment, c'est sur sa fuite que le combat se termine. Oh bah dis donc, la grosse déception quoi. Tenue de combat de Thalès, ouais génial. Et plein d'autres trucs à côté, ouais génial. On ira voir ça tout de suite, hop. Je suis déçu là, le coup du Thalès. Non non, en fait je me barre, hein. Merci pour la mission de fin ultime. Alors là je suis hyper déçu. Mais bon. Alors celui-là j'ai senti, Kiko a puissant, super, mais t'as l'air d'une garde parfaite. Oh bah tu parles, j'en réussis jamais des gardes parfaites. Oh, ça j'aime. Ça j'aime. Récupère son endurance plus rapide. Ça c'est clairement clairement bénéfique. Hop, on va en faire une dernière, je pense. Ah, il en reste deux. Dragon Ball Namek. Ah bah c'est la même mission en plus. Échappée psychique, tenue de combat noir, commando Ginyu et d'accord. On va bien voir si c'est pas trop long. On va bien voir. Je vais essayer d'éliminer les mecs d'abord et puis après je vais récupérer les boules. Hop, et on va prendre notre personnage cette fois-ci. Avec. Non, pas le premier. On va prendre ça. Avec deux Namek, ça me semble logique. Ok. On va bien voir, hein. Peut-être qu'on va être plus puissant avec le QQ Bang et l'endurance supplémentaire. Collecter les Dragon Ball. Les buts de cette quête est de collecter les Dragon Ball qui sont dans la zone. Utilise le Dragon Radar pour les localiser. Tu peux utiliser la porte. Tu peux charger la porte du radar en appuyant sur RS. Une fois que tu as une Dragon Ball, apporte-toi de la machine temporelle et mets-la à l'intérieur de la. En appuyant sur B, le Dragon Radar te montrera l'emplacement de la machine temporelle. Tu peux tenir deux Dragon Ball, mais tu auras plus de mal à te défendre. Maintenant, récupère toutes les Dragon Ball et termine la quête. On va les faire le plus vite possible alors. Hop. Je l'ai pas eu. J'aimerais bien toucher la Dragon Ball, s'il vous plaît. Ah non, mais c'est lui qui l'a en fait. Mais non! Guldo, t'as la Dragon Ball ou quoi? Mais merde! Ah non, j'ai les deux! Putain, j'ai les deux, ça y est! Oh là là, il serait peut-être temps d'afficher, de réussir à afficher en fait quand t'as les deux ou pas. Ce serait cool, merci les mecs. Hop! Là-bas! Ça devrait être assez rapide maintenant, allez, on va être en ligne droite.
Hop là. Et je l'ai. Difficulté 0. Ah, j'ai plus d'énergie, cela dit. Poupi 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 pou. Poupi 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 pou. Oups. Et la suite? Bon, bah pourquoi pas? Tant pis, hein. Ah bah, allez comprendre la suite. Je vais maintenant passer un examen de police. D'accord, et je suis censé trouver des trucs pas terribles, mais bon, faudra qu'on les farme aussi quand même. Ok. Bon, bah, on va aller faire l'autre, hein, tant pis, hein. On verra bien. Je suis assez vexé, là, je l'avoue. Je me rappelle plus ce qu'il fallait faire dans les autres. Je vais taper les mecs, je vais taper les mecs, on va bien voir. Peut-être que c'est ça. Hop. Jouons avec une petite famille. Franchement là, je sais pas. Je sais pas. Ah, il y a du monde là. Ah bah j'ai l'impression de faire vraiment mal avec mes coups de poing pour le coup là. Joli. Tu me l'as bien mise à l'envers, joli. Tiens, tu veux bien t'occuper de moi s'il te plaît? Bah oui, là, il s'occupe de moi là. Hop. Hop. Et c'est fini pour Rikum. Et c'est fini pour Guilodo. Poupi 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 pou. Poupi 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 pou. Là. Hop. Et de une. Hop. Alors, où est-ce qu'elle va l'être? Où est-ce qu'elles vont être, même, je dirais? Plouf plouf. D'accord. Ok, j'en ai deux. J'ai la 1 et la 5, je crois. Peut-être la 6. Attendez. 6. 6, 6, 6. Bulma! Hop. Trouver deux Dragon Ball. Hop. Je crois que je la vois. Je la vois plus. Non, je la voyais pas alors. Là, je la vois. Hop, c'est parti. Crac. Oui, c'est ça que je reproche au jeu, c'est que vous voyez, on voit des effets dans les arbres à Quantum City, mais ici on n'en voit pas, alors qu'il devrait y en avoir. Mais parce qu'il y en avait dans certaines intros de certains jeux. Enfin bon, là n'est pas la question. Fini, est-ce qu'il y a une suite? Ah, là on a le droit au truc. Et donc on a qui à affronter les trois autres derniers? Les trois autres, ça me semblait bizarre les trois autres parce qu'il n'y en avait plus que deux. Ouf. Oh là, t'es énervé mon ami. Je vais te calmer deux secondes. Hop, mange. Hop les. T'as fait mal? Hop. Et celui-là, il t'a fait mal aussi? Et voilà, Ginyu, c'est terminé.
Ou Ginyu. Moi j'ai toujours dit Ginyu, mais. Eh, mais il y a des Dragon Ball supplémentaires! J'avais même pas percuté! Les battez pas tous! Putain, j'aurais pas dû les taper! Je vais pas avoir le temps de toutes les rapporter! Ah, puis en plus, elle est tellement. On devrait tellement pouvoir voler par-dessus ça, mais non! Hop. Une de plus. Hop, ça m'en fait deux au total. Je sais pas où sont mes copains, mais ils mettent pas des masses. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Alors. Hop, je crois qu'il en restait une. Bon, je me suis peut-être trompé. Tenue de baseball, capsule corp. Et tenue de baseball, capsule corp, encore une fois. Ok, pourquoi pas. Pose combat des Choc Holstein. Holstein. Ok. Bon. Hop. On va aller voir la tenue de combat, enfin la tenue de baseball, on va voir ce que c'est quand même. Même si je pense que ça va être très très moche. Ah, c'est dommage qu'elle me fasse descendre mes points de... Ouais, c'est quand même assez moche, hein, faut reconnaître que... Ça augmente les dégâts... Oh! Ah oui, inopérant avec... D'accord. Ok. Là-dedans... Oui, bah c'est que du cosmétique, finalement, donc ouais, ouais je comprends mieux. Ok. Non. Non plus. J'ai dit non. Quoique, il y aura certainement un moment. Il y aura certainement un moment d'égarement où je serai comme ça. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Donc vous pouvez retrouver le lien, pardon, dans la bannière de la chaîne. Je vais arriver à articuler un petit peu ce que je dis. Les mots qui sortent de ma bouche, je parlerai mieux de la bouche, comme on dit. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre aventure. Salut les gens et yo!